Bonjour, aujourd'hui le 16 mars, Thierry se lance dans des expériences. L'apprenti sorcier avec le kiwi. On va vous faire un semis de kiwi. Du moins, on va essayer. Oui, mais il faut expliquer que c'est un peu particulier. Oui, alors, vous avez vu la bouture du kiwi hein, qu'on a fait. Là, j'ai pris un fruit en octobre. Je l'ai ramené à la maison. Je l'ai tranché. Mm-hmm. J'ai récupéré des graines de kiwi que j'ai laissé sécher. Il y a une partie. C'est ça ? Oui. Il y a une partie. Celles-ci, elles sont passées au congélateur. Ah. Il y a une partie qui est là. Voilà. Ça, cette partie-là, elle est restée asséchée sur le rebord de la fenêtre, comme l'autre d'ailleurs. Voilà. Ok. Donc. D'accord. On a la même chose de l'autre côté. T'as dépioté une tranche de kiwi. Absolument. Et celle-ci est passée au congélateur. Ah. Alors, je vous explique pourquoi. Il y a certaines graines qui ont besoin de prendre le froid. Oui. D'accord. Pour lever la dormance. Pour lever la dormance. Là, j'ai fait comme si nous étions dehors. Mm-hmm. Le fruit tombe par terre. Oui. Passe l'hiver. On a eu des moins 5, moins 10. D'accord. Oui, largement, oui. Et après, la graine, la dormance est levée et donc la graine peut pousser. Ouais. Donc, on va voir si, en la passant au congélateur et un fruit récupéré sur notre arbre, voir si ça marche. Ça marche. Les deux. Ça se trouve, les deux vont lever. Oui. Peut-être qu'il n'y a que celle qui a pris une dormance. Voilà, on verra. Ça veut dire qu'on va couper la caisse en deux, alors? Oui, on va faire une partie hiver. Parce que la nature, elle est assez bizarre. On le voit bien avec les graines d'agapanthe. Si on ne sème pas tout de suite les graines d'agapanthe au moment où on les récupère, elles ne poussent pas, ou elles ne germent pas. Alors, sur une étiquette, je vais marquer la date et marquer congélo, on comprendra. Oui. Alors, comme d'habitude, hein, pour tous les semis, une terrine avec des trous ou un pot avec des trous, du terreau sans engrais, sinon ça pourrait brûler les racines. On arrose... On met son terreau, on va tasser avec une pelle. On va arroser son terreau. Voilà. On va y mettre. Donc on a séparé la terrine en deux. On va y mettre celle-ci, c'est celle que tu as récupérée. À la belle saison, on va dire. Normal. À la saison du kiwi. Les deux, sauf que celui-ci, voilà, est passé au congélateur. Donc là, tu vas mettre le papier absorbant. Ah, je laisse comme ça. Tu laisses comme ça. T'as pas peur que ça, non, que ça fasse tout pourrir. Bon. Donc, le congélo est là, on est d'accord? Oui. Donc, on met l'étiquette. Voilà. On va recouvrir le tout de deux fois et demi son épaisseur. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je pense que ça va. On fait rentrer les graines en contact. On réarrose. Et on va tenir le tout à une vingtaine de degrés. Voilà. Bon, là, comme il y a quand même un peu de soleil, ça va monter au-dessus de 20. Bon, alors les paris, c'est quoi? C'est congélo ou pas congélo? Aucune idée. Bon, alors Si ça marche, on se revoit à la levée. Sans ça, vous la verrez jamais. À bientôt. Voilà. Avec un couteau. Bon. C'est parti. Bon. Alors, nous sommes le 16 avril. Et on vous rappelle que ce semis avait été fait le 16 mars. Donc ça fait un mois. Oui.
Donc c'est assez long, si Rémi veut bien se rapprocher. Partie congélo, partie non congélo, aucune différence. Aucune différence, les deux sont partis, ça marche. Donc vous voyez, si on prend ici, là, ce jeune plant, là, voilà, il vient de sortir. Ceux-là sont bons à repiquer, hein, 4 feuilles, 1, 2, 3, 4. C'est marrant parce que c'est vraiment très dentelé. Oui, on dirait, tu sais, comme les cucurbitacées. Oui, c'est plutôt joli. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà tout repiquer. Alors, ça a un système racinaire. Hein. Armel en a des faits, là, on les voit bien. C'est assez, assez costaud. On va les repiquer. On va voir à quelle vitesse cette liane va pousser. Bien sûr, on se reverra. Et ce qui va être intéressant, bon, bien sûr, une fois qu'ils auront atteint une certaine hauteur, on va les planter. Et ce qui va être intéressant, bien sûr, c'est de voir, parce que là, on sait très bien qu'il faut 3 femelles, 1 mâle. Là, en faisant des semis, forcément qu'on aura des kiwis mâles et des kiwis femelles. Oui. Donc, bien sûr, on ne va pas attendre 3 ans pour voir arriver la fleur. Donc, je vous mettrai à la fin de la vidéo une fleur mâle et une fleur femelle. Mais sachez d'ores et déjà qu'en faisant des semis avec des kiwis récupérés, eh ben voilà. Et c'est peut-être même mieux, parce que ça va pousser très vite, hein, logiquement. C'est peut-être mieux que le bouturage. On va voir. Hein, on va voir. En tous les cas, c'est super rapide. Donc là, on va faire une petite plaque de 40. À repiquer. Donc le principe du repiquage, toujours le même. On prélève avec un... Avec amour. Avec amour. Avec un bout de bois ou un crayon. On respecte bien la racine. On vient la mettre au centre d'un pot, où là c'est d'une alvéole. Et on borne. C'est important de bien borner. Là, tu as mis du terreau et tu as arrosé avant. Absolument. Nous, on préfère arroser avant de repiquer. Maintenant... Là, c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile. Maintenant, c'est une question de préférence. Si vous préférez arroser après... Ça n'empêche vraiment que le terreau soit bien frais. Hein, ça n'empêche, ça, c'est galère. Oui, ça n'empêche qu'après, on repasse un petit coup de brumisateur pour que tout ça adhère bien. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on se revoit au moment où on va planter les jeunes plants. Oui. Hein, et puis, après, ça sera à vous de faire la même chose et de voir combien de mâles et combien de femelles vous avez. Donc, on est d'accord, hein, je mélange les deux. Oui, absolument. Voilà. Il n'y a plus de distinguo. Non. Là, c'était juste pour expérience si certains avaient besoin de froid. Voilà. Ben, merci. À la prochaine vidéo. Ah ben. Quoi? Alors, tu fais plus? Si, je te regarde. Non, je t'aide plus. Hein. Oui, vas-y. Vas-y. Oh, la sauvage! La sauvage! Il était noyé, le pauvre. Je viens de le sauver. Ah zut, j'ai cassé la race. Bah, hey, tu parles de... Non, il n'est pas cassé, regarde! Sauvé! Toi, sauvage! Alors, nous sommes le 24 mai et voici où en sont nos kiwis. Eh ben, il va être temps de les repiquer. Joli petit kiwi. Joli système racinaire. Donc là, on va les mettre dans des pots d'un litre. Alors, j'ai pris du terreau. Je l'ai arrosé. Celui-ci contient de l'engrais. Voilà. Donc, on va mettre notre plant de kiwi. On borne bien. Voilà, là tu les mets dans une plaque alvéolée, mais ça peut être tout aussi bien dans un pot. Oui, mais là c'est beaucoup plus pratique après quand on les déplace. Ouais. Avec un pot, ben, on déplace un par un. Tandis que là, ben, c'est des plaques, c'est beaucoup plus facile. Et puis là, c'est des pots à peu près, c'est des plaques. Le contenant fait à peu près 1 litre. Comme ça, le plant va pouvoir se développer facilement et puis il aura à manger. Donc on va se revoir une fois que ça aura poussé. Voilà. Ah oui, la température. Alors on va les tenir. Hein. On va les tenir comme ça
sous serre, sans chauffage. Hein, ça va être la température ambiante du mois de mai. Puis voilà. Et puis on se revoit après. Donc là, dans l'état actuel, là, elle pourrait très bien même être directement dehors. Même dehors. Après, c'est juste une question où il va falloir veiller à l'arrosage. Nous, on les met en serre parce qu'il y a l'arrosage, donc c'est beaucoup plus facile. Mais on pourrait tout simplement les mettre dehors. Oui. Ok. Voilà. Bon, on se revoit après. Merci. Alors, nous sommes le 3 juillet et voici où en sont nos kiwis. Ah ben voilà, il n'y aura plus qu'à les planter. Alors, hein, ça a poussé plus ou moins fort. Hein. Mais tout est viable. On pourra tout planter parce que ça, vraiment, une fois arrosé, une fois que c'est enraciné, c'est increvable. Alors, comme on ne sait pas, puisqu'on a fait on a fait un semis, on ne sait pas qui va être pied femelle, pied mâle. Moi, je vous conseille d'en planter au moins 6, d'accord ? Et vous aurez des fruits dans 3 ans. Les fruitiers, il faut bien compter 3 ans avant qu'ils produisent des fruits. Et puis, bah, ça sera la surprise. Je voulais vous mettre les fleurs femelles et mâles de nos kiwis. Et bah, j'étais pas là, donc là, j'ai loupé la floraison. Mais bon, sur Internet, vous pourrez toujours, ou à moins que je fasse pour vous, chercher des fleurs mâles kiwis pour faire la différence. Mais bon, logiquement, ça va assez vite. Hein, si vous avez mâle femelle, une fois qu'il y a les fleurs, juste après, vous allez voir la formation du fruit. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, si vous les plantez, là, nous, on va les planter maintenant. On va devoir aussi les arroser régulièrement parce qu'il fait très chaud. Donc, si vous les plantez, ben, soyez vigilants au moment de l'arrosage. Hein. Arrosez au moins 2 fois par semaine correctement. Vous mettez un mulch pour garder l'humidité. Et ceci, ben, au moins jusqu'à au moins octobre-novembre. Comme ça, l'année prochaine, il pourra se débrouiller un petit peu mieux. Quand tu parles de mulch, tu veux parler de paillage. De paillage, oui. Mais, n'est-ce pas? Absolument. Il y a tellement de termes. Donc, ben, écoutez, vous pouvez faire une expérience. Et puis, si vous arrivez à avoir des fruits, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Voilà, merci et à la prochaine vidéo.